Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV, un entretien téléphonique au cours duquel le Maroc a réitéré son attachement à la stabilité du Mali. Le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita et son homologue malien Abdoulaye Diop ont fait le point hier sur la situation au Mali. Rabat en a profité pour souligner l'intérêt d'établir une coopération constructive du Mali avec les organisations internationales compétentes. Pour approfondir cette discussion, nous avons le plaisir de recevoir Bakary Samb. Il est le directeur régional du Timbuktu Institut. Il est en direct avec nous depuis Dakar. Bonjour et bienvenue à vous, Bakary Samb. Bonjour Omar et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, un appel téléphonique hier, un entretien téléphonique entre donc, les deux ministres des Affaires étrangères du Mali et du Maroc, donc dans un contexte que l'on connaît, qui est celui des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Globalement, on s'interroge quel rôle le Maroc pourrait jouer dans cette situation. Eh bien, merci. Je pense que ce rôle du Maroc s'inscrit pleinement dans la continuité de ses relations avec les pays d'Afrique subsaharienne. Ces relations ont toujours été dans une forme de constance, mais en étant toujours dans la logique constructive, aussi de s'arrimer aux positions de la communauté internationale, mais en cultivant cette relation particulière que le Maroc a su développer depuis très très longtemps avec les pays africains, depuis la stratégie de ce que j'ai appelé le bilatéralisme sélectif, jusque dans les années 90, même après le retour naturel du Maroc dans la famille africaine au sein de l'Union africaine. Je crois que c'est la même constance qu'à chaque fois qu'il y avait des crises, que le Maroc se mobilise avec une démarche constructive, en ayant en conscience le souci de stabilité, surtout de la région, qui est un des fondements même de la diplomatie marocaine, en plus des relations d'amitié et de fraternité qui lient ce pays à ses pairs africains. Alors, dans le communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères, il est fait question que le Maroc a souligné l'intérêt donc pour le Mali d'établir des relations, en tout cas dans le cadre des organisations internationales compétentes. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cela? Oui, ça y va de la même logique que j'ai décrit tout à l'heure, que le Maroc, dans toutes les problématiques africaines et même les problématiques le concernant, s'est toujours arrimé aux instances internationales en respectant le cadre international de coopération, mais soit valeur ajoutée a toujours été ces relations personnelles que les autorités du Maroc entretiennent avec les autorités des autres pays de la région. On l'a vu lors de la crise avant l'arrivée de ce gouvernement de transition, le Maroc avait tenté une médiation, le Maroc avait rencontré l'imam Diko, l'ambassadeur du Maroc. Donc je pense que cela s'inscrit dans cette forme de continuité. Je crois que cela veut dire que le Mali a tout intérêt à dialoguer avec ses pairs de la CEDEAO, à dialoguer avec l'Union africaine dans un cadre international, comme l'a dit d'ailleurs le chef de la transition lors de son discours, en réitérant la volonté des autorités actuelles à ouvrir cette porte du dialogue qui était aussi déjà ouverte dans le communiqué de la CEDEAO. Donc le Maroc est dans ses classiques, avec d'une part, comme je l'ai dit, un souci de l'égalité institutionnelle, un souci de s'arrimer aux instances internationales auxquelles il s'est toujours référé, même dans les affaires le concernant, mais là, en même temps, en étant conscient de son rôle au regard des relations personnelles que les autorités du Maroc entretiennent avec le Mali, mais aussi avec tous les États africains. Et je pense que c'est un acte à saluer dans ce moment où on sentait un petit blocage de la part et du durcissement des positions de part et d'autre. Et voilà que le Maroc rejoue son rôle de médiateur, de pèlerin de la paix pour la région, mais aussi en une parfaite conscience de la force du dialogue, de la force aussi de se référer à chaque moment aux instances, aux organisations internationales et aujourd'hui aux instances régionales, donc la CEDEAO, décisions qui ont été prises, mais aussi qui n'ont jamais fermé la porte du dialogue aux autorités de Bamako.
Alors, sachant que Rabat actuellement, en tout cas pendant ces dernières années, a eu des échanges intenses sur le plan diplomatique avec la CEDEAO, il était même question d'une adhésion, en tout cas qui n'a pas été totalement rejetée. Est-ce que dans le cadre de ce dialogue avancé, le Maroc pourrait jouer ce rôle de médiateur dont vous parliez tout à l'heure? Ce rôle de médiateur du Maroc est tout à fait naturel. Comme je l'ai dit, même dans les précédentes crises, avant que cette crise n'atteigne ce niveau, déjà dans les manifestations en 2020, il y avait cette démarche du Maroc qui cherchait à apaiser le climat social et à jouer pleinement ce rôle de médiateur. Et je crois que c'est un pays bien positionné pour le faire. D'une part, avec ses relations privilégiées, avec des pays pivots, des pays clés de cet espace CEDEAO, dont le Sénégal, les relations avec la Côte d'Ivoire, qui sont des relations stratégiques, ces relations aussi avec de plus en plus le Ghana et avec tous les pays de la sous-région. Donc le Maroc est un médiateur naturel dans ce conflit, à mon avis, cette crise qui va bientôt s'estomper, parce que ayant des relations très très étroites avec les pays de la CEDEAO, avec des relations parfois personnelles avec les chefs d'État et les leaderships de cette région-là, notamment avec le Sénégal du président Macky Sall, la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, et aussi une bonne relation qui s'est même développée ces dernières années avec le Nigeria, qui est quand même une puissance importante dans la région. Et de l'autre côté, les relations entre le Maroc et le Mali, ce sont des relations historiques. On parle de Tombouctou, on parle de ces échanges millénaires, ces échanges depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Maroc est un allié, en tout cas un partenaire privilégié, qui joue un rôle naturel de médiateur dans cet espace, non seulement de la CEDEAO, mais aussi sur l'ensemble du continent. Parce que justement, c'est un pays qui a toujours joué la carte de la légalité internationale, de la légalité institutionnelle, mais aussi la carte d'une diplomatie d'influence basé sur les relations personnelles, mais aussi nourri par des liens historiques qui font parfois défaut à certains pays de la région, mais que le Maroc peut se positionner dans ce rôle naturel de médiateur, en tout cas de facilitateur, au moment où on sentait une forme de blocage de la part des deux parties prenantes, aussi bien de la CEDEAO que des autorités de la transition. Et ce rôle vient véritablement, ce coup de fil de Michel Nasser Bourita à son homologue Abdoulaye Diop, vient en son heure, parce que l'heure est au dialogue, l'heure est au dépassement pour que véritablement le Mali retrouve la grande famille ouest-africaine, mais aussi la famille africaine, et que continue son chemin sur la stabilisation, mais aussi pour retrouver une paix durable. Alors, au-delà de s'en ouvrir, en tout cas, ou d'entretenir de ces bonnes relations-là avec son environnement et avec les institutions internationales, si aujourd'hui il y a une sorte de médiation, on a vu le secrétaire général des Nations Unies appeler à un calendrier électoral raisonnable pour au Mali, s'il y avait une sorte de proposition venant de ces médiateurs, dont le Maroc bien sûr, selon vous, quel devrait être le format le plus approprié pour parvenir à concilier les deux parties, à savoir la CEDEAO et le Mali? Il est certain qu'au début, il y avait des positions quand même dures de part et d'autre. 5 ans, ça a été jugé comme étant excessif pour les chefs d'État de la CEDEAO. Mais aussi, je pense que la porte du dialogue, comme le mentionne le communiqué de la CEDEAO dès le premier jour, restait ouverte. Et je pense que là, nous sommes en face d'une crise pour laquelle je suis plutôt optimiste à ce qu'on trouve une solution rapidement. Parce que aucune des parties prenantes n'a intérêt à ce que cette crise perdure. Ni la population malienne, ni les autorités de la transition, ni les pays de la CEDEAO qui sont aussi affectés par cette crise, le Sénégal et d'autres pays voisins, mais aussi la communauté internationale qui était dans une dynamique de stabilisation du Mali, qui souhaiterait un retour, comme l'a dit d'ailleurs hier dans son tweet, le président de la transition, un retour à un ordre constitutionnel normal. Et je pense que donc c'est une synergie nourrie par une volonté commune, aussi bien dans la région, au Mali,
qu'au niveau international. Et, sur, et de ce point de vue-là, le Maroc étant très très proche avec, de ces pays de la CEDEAO, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui était même dans, une, dans un processus d'adhésion, mais qui partage en dehors des couloirs institutionnels, en dehors des organisations internationales, ce destin africain avec ces pays de la région, mais de surcroît, les relations qui étaient toujours dans une forme de constante, ça n'a jamais varié avec l'Afrique, après Sa Majesté Hassan II et l'arrivée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a donné une nouvelle dynamique, une impulsion nouvelle à cette relation-là historique, mais à laquelle elle a imprimé la marque de relations fraternelles, voire personnelles, avec les chefs d'État et le leadership qu'il incarne. On l'a vu au début de la Covid, avec l'implication du Maroc à venir en assistance à ses pairs africains. Je crois que voilà un pays positionné aujourd'hui qui bénéficie d'un capital historique, d'un capital image, d'un capital diplomatique assez suffisant pour peser dans ce moment crucial où le dialogue a besoin d'une impulsion. Et bien, ce coup de fil-là de Michel Nasser Bourita participe à cette volonté d'impulser une dynamique nouvelle et de retrouver la table des négociations pour que cette crise, qui aujourd'hui pose un véritable problème dans, tout ça, dans toute la région, puisse trouver un dénouement heureux. Alors, lors de sa récente visite au Maroc, Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, saluait le point de vue très réaliste, la lecture, je cite, très réaliste du Maroc sur la situation au Mali. On sait que le Mali aussi ne manque pas de faire les frais d'un certain voisinage. Dans ce contexte, quel apport le Maroc peut apporter en tant que partenaire direct du Mali, dans ses relations bilatérales, bien sûr? Effectivement, il y a beaucoup de partenaires, il y a des voisins, etc. Mais aujourd'hui, logiquement, quand on regarde la situation et la crise au Sahel, tout le monde peut être d'accord sur le fait que la région a besoin de plus d'éléments stabilisateurs que d'éléments qui peuvent souffler sur les braises ou en tout cas accentuer le conflit. Et sur ce point précis, la ligne diplomatique du Mali, du Maroc, si je veux dire, s'est toujours inscrite dans la normalisation des relations, s'inscrire pleinement dans la ligne de la légalité internationale, dans la ligne des organisations internationales, respectant les principes de subsidiarité. Et donc le Maroc a toujours eu un rôle stabilisateur. Même on le voit, n'ayant même pas, peut-être pas, de pied stratégique frontalier avec le Mali, le Maroc a joué un rôle très très important, notamment dans la formation des imams, dans ses, sa stratégie de prévention de l'extrême violence. Et on le voit aujourd'hui que ce pays-là, africain, qui a un statut particulier, comme je le dis, aussi bien au sein de l'ensemble maghrébin, étant le pays qui assume son, pleinement son africanité avec des gestes forts, mais aussi une appartenance assumée à cette grande famille africaine. Je crois que bénéficiant aussi du crédit diplomatique, on le sait, Abdoulaye Diop est un ministre rompu aux relations interafricaines, à sa connaissance du milieu diplomatique à Addis Abeba, mais aussi sa connaissance profonde de la région, lui donne une lecture claire que le Maroc est, offre là une porte dans laquelle il faut véritablement s'intégrer. Cette porte du dialogue offerte par le Maroc, mais qui a été ici ouverte dans le communiqué de la CEDEAO, à mon avis, représente une opportunité et que là, véritablement, cet appel de Rabat vers Bamako est un signe que le Maroc s'est définitivement inscrit dans cette dynamique de facilitation, dans cette dynamique de redynamisation du dialogue à un moment critique où aussi bien le Mali vit des difficultés très très importantes avec la population qui risque de souffrir de ces sanctions-là, mais aussi où la CEDEAO avait besoin de passer un cran au-dessus pour véritablement que cette porte du dialogue soit une réelle opportunité de redémarrer les négociations avec un chronogramme réaliste, comme ça a été exprimé. Mais je vois que cela vient à point nommé dans un contexte où tous les signaux montrent que le durcissement des positions de part et d'autre ne résoudra pas le problème. Et bien voilà que le Maroc vient en facilitateur, bénéficiant d'une double légitimité, aussi bien au regard de ses relations avec les autorités de Bamako et son ancrage historique dans les relations entre les deux pays, mais aussi la reconnaissance de ses capacités diplomatiques et de sa politique
d'influence auprès de ses pairs africains, avec des pays pivots avec lesquels il entretient des relations assez déterminantes, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais aussi le Nigeria, comme je l'ai dit. Et je crois que cet appel a fait tache d'huile, parce qu'on voit aussi d'autres chefs d'affaires de la sous-région et d'autres initiateurs de dialogue entrer en jeu pour que véritablement le dialogue puisse être repris et que le Mali retrouve la paix et la stabilité en revenant sur l'ordre constitutionnel pour que le processus de stabilisation puisse continuer et que le Maroc puisse retrouver, comme je l'ai dit, la paix et la stabilité dont les populations ont aussi besoin. Merci beaucoup à vous, Bakary Samb. Je rappelle que vous êtes le directeur régional du Timbuktu Institute, donc vous êtes basé à Dakar, d'où vous nous parliez. Donc sur cet entretien téléphonique entre le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue Abdoulaye Diop du Mali. Merci à vous, Bakary Samb, d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre aimable invitation. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end sur Média TV.